Les gars, on va se faire un petit unboxing S Factory, putain ce soir c'est magnifique. Ce soir c'est régalade. Le carton il est là, c'est un big cartone, c'est un cartonné de la cartonné de la cartonné. Tu vois, les trucs qui cartonnent. Tu vois, format Bob l'éponge. Le format que t'adores, quand tu reçois ça, tu dis oh ça y est, it's the precious my man, you know. J'ai attendu ce carton toute ma fucking life, you know, man. C'est aujourd'hui qu'on va le recevoir. S-Factory, mon gars, bien évidemment, pour tous les accessoires, pour toutes les dingueries, c'est là-bas que ça se passe, bien évidemment. Dès que vous avez pas un truc sur mon site, c'est là-bas, vous allez directement les dire. C'est cash. On y va, on attaque l'unboxing. Oh là là, qu'est-ce que j'ai sorti de là. Oh là là, yalala, qu'est-ce que c'est que ça. Qu'est-ce que c'est que ça. La petite casquette Rao, la petite casquette Rao, la petite casquette Rao. Je la connais par cœur cette casquette Rao. C'est une casquette mon ref, c'est que pour les professionnels. Cette casquette là c'est only for the professional. Pourquoi? Parce que je te dis tout de suite mon gars, regarde. Ce que tu n'as pas vu dans cette casquette c'est ça. Voilà. Oh il a chaud le ref, hein. Il a chaud le ref, hein. Les gars, hop là, hop là. C'est parti mon gars, c'est parti. Jetlag, allez clin d'œil, ne t'inquiète pas. On met ça de côté pour les frérots. On met ça de côté pour les potos. Let's go. On a déjà la petite collection. On rajoute ça de je sais pas où. Les gars, attention, la casquette elle est pas mal, hein. Ouh, elle est belle, hein. Allez hop là, on met de côté, c'est parti. On continue cet unboxing surprise. Ah la 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 caramba chiquita bonita brabababababa rafale de power. Rafale de power les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça les gars, c'était quoi ça? Oh shit. Oh. 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 Les gars c'est quoi ça? Oh. Oh c'est quoi ça? C'est quoi ça les gars, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça les gars, c'est quoi? C'est quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je tiens dans mes mains là? Hihi. Je rajouterai bien évidemment. Oui, le rat, c'est des putains de fucking active tubes. Filtre au charbon actif, les G. Regardez-moi ça. On a une rafale d'active tubes, les gars. Bien évidemment, je rajouterai ça. Je vais en rajouter pour le cadeau de ce soir. Bien évidemment, l'une des personnes présentes ce soir sur le live va se mettre bien, les G. Va se mettre plus que bien. Il va se mettre plus que bien. Il va remporter un ensemble de petits accessoires avec l'édible. Franchement, il va passer un bon week-end, je vous le dis. Un bon week-end. Lady, on continue. Oulala. Oulala. Regardez-moi ça, les gars. Ça, c'est pour la mafia Rao. La mafia Rao, les gars. Le petit porte-clés. Le petit porte-clés Rao. Putain, les gars. Le petit porte-clés. Ouais, oh, le porte-clés, il est sympathique. Hein. Le porte-clés te met plutôt bien. Il te permet de pouvoir ne pas perdre tes clés, hein. Ça tombe bien, hein. J'ai perdu mes clés. Lady, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. La collaboration Siflo XS Factory. Damn. Oh là 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 là, unboxing de Barjo. C'est un unboxing de malade les gars. Shit, 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 shit. Ouh là 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 là. Waouh. Mon gars, la petite collab, tes masques. Ouh là là, les gars, ils m'ont mis 20 grammes de weed. Non, je l'ai. La collab Théma avec leur nouvelle marque. Ils ont également sorti une nouvelle marque, les frérots. Une nouvelle marque de feuilles à rouler est disponible chez S-Factory. La marque s'appelle La Feuille. Voilà. On est sur ce genre de papier, les frérots. Voilà. Dommage que ce soit pas en non blanchi. Mais à mon avis, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, les gars. Franchement, la box, elle est vénère.
Oh là là, mais on commence déjà avec des... Saligoterie, tu vois, t'as le petit truc, là, tu peux mettre ton petit spliff. Hop, ton petit spliff, mon gars. Là, tu mets ton petit truc, tes petits bails. Petite feuille à relax. Petite feuille à relax. Oh, les gars. Oh là là, déjà là ça commence fort. Hein. Franchement, ça commence très, très balèze. Oh là là. Faut que je fasse un petit truc, je vais faire un petit délire. Y'a pas... Attends. Non, y'a pas, je sais pas ce qu'il y a dedans. Petit blunt, les gars, voilà, les Juicy M, Wrap, vous connaissez déjà. Voilà, Juicy M, Wrap, les frérots. Grosse frappe. Voilà, les petits blunts, original, M, Wrap, voilà, il y en a deux par pack. Et voilà, on connaît bien ce petit délire, on apprécie. Bien évidemment, le bandana Rao. Le bandana Rao. Libéré Barao. Le bandana des Rao, mon gars. Shout out à tous mes Raoers. Plus, le Donut Cross pour la porte. Les gars, là, c'est sponsor Rao. Full Rao, mon gars. On va pouvoir remixer l'espace arrière et se mettre en mode Rao. Ouh là là. Mais c'est réel tout ce qui se passe là. Le gars, il a toute la table, mais je sais pas pourquoi il met tout. Que d'un côté. Qu'est-ce que c'est que ça, les G? Où sommes-nous? Quelle planète? Quel produit? Quelle année? J'ai reçu un colis suspect, je ne sais pas ce que c'est. À l'intérieur, une pipe. Vaporisable d'une pipe, une pipe en verre. Oulala. Je me croyais dans Toy Story, les gars. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne vois pas. Mais non. C'est les petits soldats verts, mais... les gars, ça dit une pipe, une douille. Banger. Ouh là là, les gars, on va voir. Hein. Ouh là là. C'est une pipe, c'est une douille, que dis-je? C'est un fucking bengou. Alors, c'est parti, on y va. On découvre. Ça c'est un mini bengou ça. Bengou. Oh là. Go essayez, c'est parti les gars, on essaye. Putain ça appartient, j'étais sûr. Mais les gars, ça va être tout crade. Comment on fait si j'essaie tout? Bingo. Putain, let's go tester. Je vous connais les pirates. Faut nettoyer du H et go. Oh lolo. Essaye. Oh lolo. C'est parti les frérots. Voilà. Unboxing qui part en couille. Voilà. C'était pas prévu. Ça va encore. Je vois. Ça va encore partir en couille. Les gars. J'ai les bonbons qui sont là dans les ventres et qui me disent « Mais ferme ta gueule, toi !» Ils sont là, ils me disent « Mais ferme ta gueule, toi! Tu vas te manger dans la balle de claque, tu vas voir. On est là, on est en place. Hein, t'as 80 grammes de pur cola dans le bide, mon gars. Ça va t'envoyer, t'inquiète pas, cochiote, je sais pas ce qui va ressortir. Mais mon gars, y a une des deux personnes qui sera pas là, je te le dis tout de suite. Les gars, on essaie ça, c'est parti, putain, vous êtes des malades. Oh my god, les gars, ça part en couille. You know? Ça part en couille right now. Mais les gars, à la base, c'est unboxing. Le monteur, il va m'insulter. Il va me dire, mais frérot, t'es sérieux? On est en train de faire un truc. T'es en train de faire un truc. Tu termines même pas.
termine pas. Et tu rattrapes. Les gars, vous savez pas, vous. Vous savez pas pourquoi je fais cette tête. Parce que vous avez vu ça, vous me dites ça, mais vous avez pas vu encore là. C'est pas là encore là. Mais la photo, frérot, je vous dis la vérité, As Factory, regardez cette vidéo parce que vous allez comprendre pourquoi sur ma photo tous les accessoires vont être avec un aspect déjà. Ouais, les gars, c'est la green team. Bien évidemment, nous ne sommes pas amateurs, nous avons tout type d'accessoires adéquats pour régler cette situation. Siflo. Oh mon gars, quand t'es DF, t'as trop confiance, t'as trop la confiance. Mais ton corps, il te suit pas. Tu vas aller à gauche, ton pied va à droite. Il dit, mais t'es un malade, toi, t'es qui? Je te fais pas confiance. T'es def, mec. Il dit, mec, t'es ouf ou quoi? Oh, la Pretty John. Ouh, les gars, ça, c'est pas du poltron. Les refs. Théma, la piquerie à l'intérieur, je l'ai placé. Chirurgicalement. C'est de la chirurgie. C'est de la chirurgie. Les refs, là on est. Mais les refs, vous me faites faire des dingueries. Ça c'est pas une douille, ça c'est une pipe, double pipe. Ça c'est pas une douille. D'ailleurs on va arrêter de. Je vais baisser, je crie trop dans le micro. Ou je vais reculer le micro. Les refs, ça c'est une double pipe. Double pipe, les refs. Ça commence mal. Obligé, hein. Bon, c'est parti, les Johnny vont en attaque. Mais bon, y'a pas un grinder là-dedans? Putain, les gars, y'a même des autres sacs, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Oh là 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 là, les G, oh là là, unboxing As Factory, les frérots. On va se faire le petit test tout de suite. On va pas perdre le temps, on va tester. J'ai mis la grille, Roctan. C'est bon. J'ai mis la petite grille. C'est ça, unboxing plus test. La casquette, j'aurais pu la mettre, mais vas-y, je vais la donner à quelqu'un. J'ai déjà reçu la même. C'est pour ça, on va laisser sur les cadeaux. Mais les frérots, ça part en unboxing test direct. Hein, je vous le dis. Sans pression, sans pitié. Ah oui. Putain, ouais, mais celle-là, c'est. Ok. Parce que normalement ça se fait pas comme ça, normalement faut que je la remplisse bien tassée, tu vois. C'est pas une douille. Et on va y aller mollo les gars, on va pas abuser, hey, on est en unboxing. STO, mon ref. Je m'excuse d'avance. STO, c'est le frérot qui fait les montages, les G. Ok. D'ailleurs il m'a bien dit. Arrête de me faire des lives. Il m'a dit arrête de me faire des lives Twitch. Il m'a dit arrête. C'est chiant faire les montages, t'es là pendant une heure. Je comprends trop mon ref, désolé la team. Mais bon, c'est la vie. Regarde-moi ça, la vidéo, wow. On y va, petit test. Génial. Génial. Comme un plug, mais pas ton nez dans ma truck. Baguette remplie, toi tu bug la concurrence, t'es pendu plug. Elle provient de Ripa, vas-y, je vous l'impose. De Geneva, vas-y, je vous l'imperce. Gourmet sans serre en cuisine. Magnifique, les gars. Wouhou! Bon, ça, c'est la BOA test. Les gars. Oh, il a tout fait tomber. Oulala. C'est validé, les refs. Wouhou.
Franchement, ouais. Et les gars, les petites pipes comme ça, c'est vrai, faut très important, utilisez-les avec des grilles. Ça va éviter que vous allez de coincer des morceaux. Et même pour nettoyer, et même pour fumer, c'est beaucoup mieux, les gars. Que quand il n'y a pas la grille, généralement, on va pas... La combustion, elle va pas bien se faire. Il y a des morceaux qui vont tomber. Et essayez, si vous pouvez, de, voilà, nettoyer tout de suite sur le moment, les gars. C'est la meilleure des solutions. C'est sur l'instant présent. Il y a des accessoires exprès. Je sais pas s'il y en a là-dedans. Mais il y a des accessoires exprès, les gars. Pour justement nettoyer tous ces produits. Et généralement, voilà, on utilise de l'alcool iso. Donc, il y a deux types d'alcool iso. Hein. Il y a l'alcool isopropyl et l'autre, isopropylique. Je sais pas. C'est une petite diff. Mais en gros, vous pouvez utiliser les deux. Les frérots, c'est nickel. Il n'y aura pas de galère. Et si jamais les gens peuvent me corriger, peut-être. J'ai vu qu'il y a du produit également disponible. Voilà, c'est ça. du Limpuro. Bah voilà, c'est ça. En gros, ça, c'est une alternative, les frérots. C'est exactement ça. Vendu chez S-Factory. Voilà, donc c'est sûrement le composé. Je sais pas, on va pas voir le composé. Si. Tension active, 100% biodégradable. En gros, ouais, sérieux, c'est une équivalence, c'est ça, les gars. Ça, c'est pas mal, c'est des petits sachets. D'ailleurs, attendez, hop. On est bon. Si jamais la pipe. Alors, Limpuro, c'est ça, les G. Voilà, c'est pour tous les. C'est pour tout. Tu peux tout utiliser, les bangs, etc. C'est vraiment pour tout utiliser. Normalement, tu es dissous dans l'eau, il me semble. Avant de pouvoir l'utiliser. Sans c'est écrit. Remplir le bang avec de l'eau chaude, boucher les trous et secouer. Puis ajouter 5 à 10 ml de Limpuro dans 100 ml d'eau. Attendre 5 à 10 minutes, secouer puis rincer. Et pour les bangs vraiment sales, répétez 1 à 5 fois. Après, on voit, c'est un produit naturel, quoi, les gars. Tu vois, c'est un peu moins efficace que l'alcool. Mais du coup, c'est naturel. Il n'y a pas forcément de sales produits. Enfin, normalement. Ok, les dios, on continue. C'est parti. Donc là, on a déjà ça. Les refs, je vais me servir de ça. Voilà, je mets ça là. C'est juste pour éviter que je fasse des conneries. Ok, la pipe, on la voit. Les G, on continue. Oh! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Swirling paper. Scarf. Putain, une écharpe, les gars, c'est l'écharpe du Garao! Oh là là! Shit, man! Oh là là! Damn! Mec, ça c'est de la puff, ça. Ouhouhou. Ouais, mec. Libérez Barao. Libérez les Rao. Let's go. Incredible shit, mec. Incredible. Avec ça, tu peux flexer. Tu peux tellement flexer, mec. Toute la fucking day. Disponible sur S-Factory, les refs. Putain, c'est magnifique. Regardez-moi cette dinguerie. C'est du pur flex. Petite écharpe Rao, mon gars, on sait tout de suite à qui on parle. Y'a pas d'histoire. Voilà, on est là sur la discussion. Magnifique, franchement, les gars, sublime. Rien à redire. Dinguerie. T'es mort, la finesse. En vrai, ouais, c'est un truc à accrocher, les gars. C'est une écharpe, là. En fait, tu peux en faire ce que tu veux, quoi. Paroda. Yes, aïe, les gars. Non, c'est la tuerie, quoi. C'est de la tuerie, ça. Moi, avec ça, là. Oh là 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 là, t'es fou, mec. Ça, c'est pour les loxés, ça. On dirait un plaid, mon gars. Let's go, lady, on va tuer ça. On continue. On continue sur du Rao. Ouais. Non, on part sur un autre délire. On part sur un délire, après on part sur du Rao. Je crois qu'on va être Rao à blindé. Là, il va y avoir plein de Rao. Element, mon gars. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Les gars, S-Factory sponsor officiel des Smoke Session. Enfin, on va avoir un vrai grinder. Vous êtes prêts ou pas, les gars? Même si, voilà. Mais là, je crois qu'on rentre vraiment dans le game. Je crois que là, on rentre vraiment dans le game des rolling paper, you know? Enfin, ça, faut pas que je le casse. Je me fais flipper avec ce truc-là. Je vais les mettre là, les trucs. Les gars, si je le casse ce soir, c'est grave. Magnifique les gars, avec normalement le petit récupérateur de pollen et les petits bails. Mais bon, moi tous mes G connaîtront, me connaissent. Ça, j'enlève personnellement et je garde que ça, les frérots. C'est la partie qui moi va m'intéresser. Ça, les refs, on peut tamiser, on peut faire pas mal de trucs avec, ces sympa. Yes! Énervé les gars, il est beau hein. On l'enlève. T'enlèves le récupérateur de pollen et t'es bon. Ok les G. Après c'est ma méthode hein. Ouais mais du coup ça fait vraiment beau grinder les G hein. Franchement ouais. Après pour le moment je vais le laisser avec le récupérateur mais j'enlève vraiment hein, personnellement. Je préfère sans récupérateur de pollen. Mais du coup moi dans ma chambre t'as plein de... Dans la pièce, là, t'as plein de récupérateurs de pollen, gros. T'en as plein, ils sont là, comme ça, ils flexent. Tout seul. Mais des fois, je pose des petits morceaux de hache dessus et tout, c'est trop pratique. Tu poses ton hache, vas-y, il est bien, ça colle pas. C'est de la tuerie. Oh, vous me faites flipper, les gars. Vous me faites flipper. On continue les G, c'est parti. Unboxing de dingue, les gars. X-Factory, unboxing de dingue. Pour tous mes riders, y'a les smell et proof, Oh. D'ailleurs, voilà les gars, j'ai trouvé le petit bail. C'est là-dedans que je vais mettre les petits trucs là. Voilà. C'était pas prévu. Mais y'en a un ce soir, il va se mettre nice. On va lui mettre une... On va lui mettre des surprises en plus supplémentaires. Et ça, les refs, ça se met sous vide. Hein. Si vous avez le petit tuyau, moi je l'ai, vous mettez ça sous vide, les refs. Hein. Et ça part comme ça. Et c'est réutilisable. Smelly proof. On continue, les gars. Ça rentre pas ou ça rentre? Ah, ça ne rentre pas, malheureusement. Les gars, c'est parti, on continue. Exactement. Donc là, si jamais il y a 3 smelly proof, donc les smelly proof, voilà, les gars, c'est des big bags. Il y a tout format. Et ils sont réutilisables, ils sont vraiment bien ceux-là. C'est vraiment quali. Qualité, qualidad. Voilà, pour envoyer les petites récompenses, ça va être bien cool. Ok, on continue. Ça, c'était pas dans le truc, ça non plus. Hihi. Mets-nous de la 4 avec! Bah écoute frérot, si toi tu veux qu'on mette de la 4 mon gars. Ah, ils veulent de la 4, vous voulez toujours de la 4 les gars. Écoutez, on va voir. Si tu veux vraiment de la 4, y'a tout possible. Si tu veux vraiment de la 4 mon gars. Mais y'en a d'autres les gars, y'a pas que la 4 hein. Y'en a d'autres. D'ailleurs, tu fais bien dire ça. La semaine prochaine, je vais vous envoyer également une petite récompense avec le frérot. TPS les gars, big cadeau qui arrive la semaine prochaine. Mais voilà, cette semaine on termine là-dessus déjà. On veut de la 4, oulala, ils veulent de la 4. Ils veulent de la 4, oh my god les gars, ils veulent de la 4, c'est la fin d'année, c'est magnifique. Les refs, on va voir ce qu'on peut faire. Peut-être bien que la personne qui reçoit ça, ce soir le gagnant. Les gars, le gagnant, si... il va se mettre vraiment bien. Là c'est un magnifique pack, hein. Je vous annonce les refs, hein. Edible, accessoire. Numéro 4.
Là, franchement, magnifique pack. Magnifique pack. Je veux Josh de Shira au carré. Ah. Comment on participe, mon gars? Il suffit d'être là, il suffit d'être présent tranquillement sur le live. C'est tout. C'est tout, Joseph. Ah, tout à l'heure, je vais poser une petite question, un petit délire. Et voilà. Barrel. C'est quoi ça, Barrel? Ouh, les gars de la CBD. Messieurs et mesdames, mesdemoiselles, la CBD, nous avons de la CBD de chez S-Factory, you know. CBD, t'as combien? T'as 1000 puffs. Il a 1000 puffs, il y a 1000 puffs là-dedans, il y a 1000 puffs. 100 puffs, 1000 puffs, mec. Il y a 1000 puffs, mec. Ce genre de petit accessoire, c'est parfait. Moi, j'adore utiliser ce genre de CBD dans des moments où t'as vraiment besoin de redescendre sur terre ou de te relaxer, tu vois. Magnifique, magnifique, les frérots. On va voir ce qu'on peut en faire de cette barrel, les frérots. Incroyable, incroyable. Petite puff de CBD. Ouais, mais la question de ce soir, c'est pas possible de la louper. Ouais. Si tu rates la question, mon gars, c'est fini. Une taf pour Mantkila également. Ok, on continue. Let's go. Reprenons la team, on reprend. C'est parti. Toujours les plus beaux stickers de la team S-Factory, encore. Encore et toujours. On les balance. Les gars, le bag. Le bag, les gars, le bag. Les gars, le bag. Le bag, il est lourd, je t'ai dit, c'est le bag. Vas-y, le bag, c'est quoi ce bag? Je t'ai dit, déjà, c'est un bag, oui, un bag, rao. Oui, un bag, rao. Le big bag, les gars, le big bag. J'ai envie de le faire gagner, le big bag, les frérots. J'ai envie de le faire gagner, le big bag. Parce que vous savez quoi, ce big bag là, oh, wow, wow. Les gars, putain, les gars, déjà, il y a un plateau qui part. Ça part, les gars, c'est parti. Ça part. Ça part pour le gagnant de ce soir. Est-ce qu'il rentre le plateau? Ça part pour le gagnant de ce soir. Voilà. On lui met un plateau. On lui rajoute quoi? On lui rajoute Seekers Rao. On lui rajoute quoi encore? Les gars, on va tout rajouter. Les gars, je vais mettre tout le sac en fait. Je vais mettre tout ce sac, les refs. C'est des feuilles accessoires. Regardez-moi ça. On y va. Hop. Regardez-moi ces dingueries, les frérots. Ce que je vais faire de toutes ces dingueries-là, je pense que je vais les rajouter. Hein, on va faire un pack. Hein. Parce que moi, je le connais déjà, ce sac-là, les frérots. Vous savez où je l'ai eu, ce sac? Je l'ai reconnu. J'ai déjà eu toutes ces mêmes récompenses, les gars. Tout ce sac-là, les frérots, je l'ai déjà eu une fois lors de la Cana Cup qu'on avait eu en Belgique, les frérots. Ça, je l'ai eu en Belgique, les gars. C'était big shout-out à la team S-Factory. Donc, ce qu'on va faire... Oh les refs, franchement. Je crois que ça va être comme ça. Je crois que ça va être comme ça, les gars. Parce qu'en fait, il y a tellement de délire. Après, on peut allonger, mais les refs. Vous savez qu'il va... Là, ça va être Noël. Il va y avoir trop de cadeaux à faire gagner, les frérots. S-Factory, ils m'ont régalé. Je vous régale. Les refs. Par exemple, dans ce bag, tu vois, un petit cendrier de poche. Tu vois, t'as un petit cendrier de poche normal. Normal, tu vois. Ou par exemple, tu vas voir ce maxi rouleau Elements. Gros, il est archi vénère. C'est avec des vrais rouleaux de feuilles, tu vois.
C'est avec. Et la fin, elle est large en plus. Et en plus, tu peux couper ça. Désolé le frérot, mais. Hop, je te pique une feuille. Hop, tu vois le délire? Il y a quoi encore à l'intérieur que je peux vous montrer? On a également. Ouhouhouhou. Les gars, on a exemple. Voilà, un petit paquet Rao. On est bon. On a également, par exemple, un petit glace filtre. Un petit filtre en verre, merci S-Factory, les gars. C'est pour vous, hein, c'est pour vous, les refs, c'est pour vous. Moi, c'est bon, moi, c'est bon. On a également un King Blunt, les gars. King Blunt. Ils sont beaux, ceux-là. Passion fruit. 5 feuilles. Ouh, par contre, c'est sans tabac, ça. Ouh là là, les gars, là, je vous jalouse, là, les gars, là. Putain, vous allez vous mettre bien. Théma, King Blunt, sans tabac. Ça part. Sticker, ça part. Smelly, il est déjà dedans. Ah ouais, les gars. Les gars, là. Le gagnant, il va avoir un sacré pack. Je vous dis la vérité. Le gagnant, là, il va avoir un vrai pack. Mais un pack complet. Un pack complet, les G. On continue ou pas? On continue, les frérots. Hop là. Bien évidemment, on va lui blinder un peu de stick et stack. Bon, j'aurais pu laisser, mais vous savez que c'est le gagnant qu'à ça, mais vous savez. Oh non, les gars, parce que je vous connais. Je vous connais, les gars. Si je sors ça, vous allez péter un plomb. Oh, the bucket, you know, le bucket. Mon gars, le bucket. Le bucket. Le bucket. Le bucket. Le bucket. Mais pour tout vous dire, pour tout vous dire, pour tout vous dire, je crois. Les gars. Les gars. Oh. 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 Le bucket, man. Les gars, pour tout vous dire, je l'ai déjà. La vérité. La vérité, je l'ai le bucket. Je l'ai, moi, le bucket. Il est magnifique. C'est un banc de malade. Il est tout neuf, il est tout neuf, il est tout neuf. Je vais vous le montrer, je l'ai, calmez-vous, calmez-vous les amis, calmez-vous. Il est là, je l'ai les frérots, oh là là. Je l'ai les gars, je l'ai, nous l'avons. Il est là les G. Du coup, putain les gars, comment ça se passait? Je le mets quand même là parce qu'il est là, mais ça part mon gars. Il y en a un qui va se régaler là, je te le dis. Hein. Il y en a, c'était pas prévu les gars, là il va se régaler de se régaler. Ouh là là, mais ça c'est pour ma collecte ça. Ouh là là, le paquet de cartes Rao. On est vraiment sur un classique. On est vraiment sur un classique. On est vraiment sur un classico, les G là. Waouh, jeu de cartes. Rao Emp. On y va. Ça c'est que pour les spécialistes, ça c'est que pour les ceux qui viennent à la maison, qui viennent sur la table là comme ça, c'est que pour du spécial. Les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Putain mec, ça c'est trop bien, ça c'est trop bien, ça c'est de la bombe, de la... ça c'est de la bombe bébé. On dirait mais qu'est-ce que c'est? Andy Grip, Andy Grip. Les gars. C'est pour mettre derrière le bigot, les frérots, c'est pour mettre derrière le téléphone. Tu mets derrière ton tel, tu vois.
et tu peux l'ouvrir, tu peux le fermer. Et quand il est ouvert, tu peux poser ton téléphone ou ça te permet de mieux tenir ton téléphone, tu vois, pour les gens comme moi. Pour les chacals comme moi, mon gars. Oh là 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 là, ça les frérots, ça aussi c'est Cali. Ça c'est Big Cali, ça. Ça c'est Big Quali. Sweetie Cali. T'es mal, la Sweetie Cali, putain, c'est magnifique. Rao, Xtend. Ouh, ouh, je le connais celui-là, je le connais celui-là, Xtend. Chiche. Big shout out à Rao. Qu'on appelle, les gars, faut appeler le gars Rao, là. Comment ça, faut appeler Rao, là. Faut l'appeler, le gars, on l'appelle, les gars, on lui dit. Hey, my friend, please, 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 my friend. Sponsor, sponsor for Siflo the French smoker, you know. Please, please, come help this guy. He tried to do the better for the cats over in France. He tried to make the better way for this fucking herb, man. He tried to do something good with this herb. And I know you know. L'enfoiré. Je sais que tu sais, mec. I see you in Spain. Your paper come from Spain, my friend. You know, I know. You know, I know. You know, I know. C'est quoi le X-Ten, mon gars? Putain, le X-Ten, my G. Putain, le X-Ten, moi je connais le X-Ten, les gars. Le X-Ten, c'est pour rouler ces putains de fucking skiffs comme à la West, et moi ça. Le gars, il a jamais eu le X-Ten, mais il sait exactement comment fonctionne ça. Oui, je suis renseigné sur ce genre d'accessoires toute la fucking day. X-Ten. Oulala, pour faire pour le extend. Hop. Patrouchka, tube suprême joint. Terpène. Quoi? Terpène infusing technology? Quoi? Super Lemon Haze. Bubblegum. Cherry Kush. Nature. Mais les refs, c'est des... Supreme Giant Filter. C'est quoi cette dinguerie? Non, les gars, c'est pas du thé. C'est des filtres. Infusés, genre... Ouais, je crois apparemment c'est Terps Infusing Technology. Et en gros, c'est un long filtre. Je vais mettre celui-là, le bubblegum, je vais le mettre aussi pour les refs. Et je vais le mettre en naturel aussi. Et ça, on va tester ça. Putain, c'est énervé les gars, c'est quoi cette dinguerie? Ouais. Cherry Kush et Super Lemon Haze. Super Lemon Haze, je l'ai gardé parce que voilà, je connais très bien pour voir si c'est vraiment ça. Et Cherry Kush, on va voir. Hein. Natural, putain, énervé les frérots, vraiment vénère. Lourd. Lourdax. Lourdeur, lourdance. Ah oui. On a encore de l'actitude pour tous les vies. Tous les activistes de l'actitude. Le cendrier Rao, le collectif, le collector. Wow! Le petit frisbee Element! Et voilà pour la décoration de Flossy. Ça, c'est pour la déco, ça. Element, voilà, le petit frisbee. En plus, j'ai également un frisbee Rao juste là-bas. Voilà, donc on aura la team, l'équipe. Il est beau le frisbee, il est beau le frisbee. La déco, les G, la déco. On aura plein de frisbees, bah je sais pas, du coup je vais démarrer une collection de frisbees apparemment. Apparemment on commence une collection de frisbees, on va le mettre avec l'autre là-bas après. Voilà, en attendant les frérots, on va encore se le mettre là. On va voir un peu comment ça joue. C'est pas mal, ça prend toute la place. On est bon. Voilà. Attention. Voilà, le petit frisbee element quand même, on le rate pas.
Oulala. Oh putain les gars, il a pris le mot à la fin le frérot. Je peux ouvert à l'envers je crois, c'est comment? Ouais, j'ai ouvert à l'envers les frérot. Avec le mot DJ, hello Siflo, voilà un nouveau colis avec tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut pour te régaler. On a testé une gravure sur une boîte, c'est pas parfait, mais la prochaine fois on fera mieux. Franchement, elle déchire la gravure, j'ai bien kiffé. Ah, et voilà, avec le code Siflo5, on offre 5 euros à tes abonnés. Les refs, vous avez tous 5 euros les refs. Oh my god, incroyable, avec le code SIFLO5, big shout out à la team S-Factory, ça fait vraiment plaisir. Merci à Nico, merci Nico, merci mon ref, tu m'as régalé. Yes, ouais, j'ai ouvert un peu à l'envers quoi. Et une pizza? Una pizza, mais pourquoi? Una pizza pour moi, mais je vais pas les pizzas moi. Qu'est-ce qu'il y a dans la pizza? À votre avis, il y a quoi là-dedans? Ah, c'est bon, je sais. Les gars. Incroyable. Alors ça, les gars, ça, c'est une dinguerie. Ça, je vais l'accrocher direct. Chiche. Oh là là. Aïe 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 aïe, la pizza de la maman, la pizza de la maman. Oh, bonne réponse my G, t'as tout compris. L'horloge oui là les frérots. Oh my god, no no no, no no no. Putain, je l'ai pas cassé. On peut se tordre un peu, non? Ouais, c'est normal. Ok, ok, c'est normal. Oh oh la 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 la. Oh ya 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 ya. Théma le sens du vent mon gars. Théma le sens du vent putain de merde. Oh la la, it's always time to roll, you know. It's always time to roll another one, you know, man. Oh là 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 là, je vais l'accrocher là là. Là vous voyez pas là, mais là j'ai un espace exprès. Là là, exprès mec. Pas que j'oublie de rouler. Parfois j'oublie. Oh là 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 là. Oulala l'horloger, oulala, il va se calmer l'horloger. Bien évidemment la petite inspection de l'horloger. Les gars, c'est une dinguerie là. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Attends, attends, attends. Faut insérer des piles. Bon j'ai pas la pile là, j'ai pas la pile. Oh là 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 là. Lula lula lila, j'ai tout fait tomber, olé olé olé. Les gars, c'est une dinguerie là. Oh aïe 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 aïe, c'est beautiful. Beautiful. Oh la 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 la. Aïe 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 aïe, et c'est pas fini, et c'est pas fini. Et c'est pas terminé les gars, plus de place sur la table. Oh damn. Oh damn, shit man. C'est les cadeaux des. Les cadeaux des frérots. Merde.
bah ouais les gars, obligé. Waouh. Franchement l'horloge là, aïe. Peut-être bien qu'il a pas allé par là-bas. Mais sur le live, faut pas l'heure. Mais peut-être bien que par là-bas. C'est parti les G. Non. Oh là là. Également. J'ai fait tomber le logo S-Factory. Rien n'arrive par hasard. C'est que c'était pas le bon. Hop. Voilà. Tranquille, Emile. Aïe. Les dingueries, franchement. S-Factory, les G. Des années déjà. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, les frérots? Du rose au pipe. Ouh là là, les gars, un drago feu légendaire. Non, Lady. Ready? 1, 2, 3. Oh là 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 là. Oh man, god damn. C'est pas real. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est où là? Oh là là, on est où là les refs? Là, je sais même pas. Là. Oh là là, mais les gars. Les G's, t'es ma. Du vert quoi. Oh shit. Oh man. Ça, c'est pourquoi il y a un truc là? Ok. Oh là là. Mais il me fait bader un peu parce que. Il penche, c'est normal qu'il penche comme ça? C'est normal. Ah voilà. Non mais il fait. Franchement, les gars, c'est quoi ce délire? C'est quoi ça les refs? Tac, compartiment là. Oh, les gars, c'est quel délire ça. Mais t'as des joints, je ne comprends plus rien, t'as des joints partout. Genre là, tu le mets comme ça. Bon, on va le tester les refs, hein.